Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo haul action. On est samedi, j'y suis allée ce matin, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu trouver dans action. C'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec ceci. Donc je vais vous faire des petits close-up. C'est un casque pour enfants. Donc ma grande en avait un et la petite en avait pas, ils se battaient pour l'avoir. Donc voilà, c'est celui licorne, il y avait différents modèles et on a pris le blanc avec licorne sur le côté. Je vous mets les prix sur le côté bien sûr. Ensuite, ceci, ce sont des sortes de petits Kinder mais LOL. Donc les filles ont pris, ont choisi en tout cas ceci. Donc ils en ont déjà acheté et ça leur plaisait bien, donc on continue sur cette lancée. Ensuite j'ai trouvé ceci. Voilà, ce sont des épices pour les grillades quand on fait au barbecue. Donc celle-ci c'est le Steakhouse Rub Seasoning. Donc il y en a 100 grammes. Voilà, il y avait différents modèles et on a pris celui-ci. La dernière fois je vous ai présenté un shampoing à la noix de coco que j'avais acheté et j'adore d'ailleurs, ça sent, moi ça me fait penser au yaourt à la noix de coco. Et j'ai acheté ceci qui est l'après-shampoing, donc toujours à la noix de coco. Et on verra ce que ça vaut. Il y en a 500 ml. C'est un conditionneur. Voilà. Et bah, on verra bien. En tout cas, j'ai pas senti en magasin. Ouais, ça sent la noix de coco aussi. Ça sent super bon. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. J'ai trouvé ceci. C'est un petit masque pour les cheveux. Pour réparer les cheveux en 1 minute. Et c'est masque miracle en 1 minute pour la reconstruction des cheveux secs et abîmés. Donc on verra aussi, ça a laissé poser sur les cheveux. On verra ce que ça vaut. J'ai racheté mon chouchou, celui-ci. Voilà, c'est un sérum, donc le bleu à base d'eau pour réhydrater la peau. Et j'adore, c'est celui que j'achète tout le temps. Ensuite, mon mari a choisi celui-ci. C'est un gel douche Axe, donc le bleu. Voilà, donc j'ai pas senti, je pense que ça sent bon. Oh, je m'en doutais. Oui, ça sent super bon. Côté gourmandise, j'ai acheté ceci. Ce sont des cacahuètes enrobées de chocolat. Et à chaque fois, moi j'en avais acheté un une fois, avant le confinement. Et au final, il est parti très très rapidement. Et toute la famille a adoré. Donc j'en ai acheté un nouveau petit paquet. Par contre, il y avait ceux que je cherchais, chocolat blanc amande et noix de coco. Et au final, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas grave, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Voilà, c'est à base de pression comme ça. Je cherchais pour mes filles parce qu'à chaque fois que je les coiffe, il y a souvent des nœuds dans leurs cheveux. Et la petite a les cheveux très très longs. Et donc, souvent, c'est, on va dire, des disputes parce que bon, faut tirer un petit peu. Et celui-ci, ça démêle. Donc, on verra bien ce que ça vaut. Cette crème de soin capillaire prend soin de vos cheveux et restaure leur taux d'hydratation naturel, rend vos cheveux fragiles, faciles à peigner, appliqués à partir de racines et ne pas rincer. Donc on verra ce que ça vaut. Ma grande voulait et ma petite voulait aussi une bombe de bain, voilà, rose avec des petits effets arc-en-ciel, voilà, comme ceci. J'ai acheté ceci, c'est une sauce, on va dire mayonnaise. Oui c'est ça, mayonnaise, pour les frites, tout ça, donc on verra, c'est la première fois que j'achète des sauces à action. On verra bien ce que ça vaut. Et si c'est bon, je vous tiendrai au courant pour vous dire si c'est bon. En ce moment il fait très très chaud, très très beau, donc eh bien il fallait de la crème solaire, excusez-moi, j'en mets ça. Hop, voilà. Et j'ai trouvé ceci, un 10-50, en forme de pistolet. De la marque Zenova, il y a 200 ml et c'est pour enfants 50 et plus. Et c'est résistant à l'eau. Ensuite, ceci, c'est un mandala. Donc il y a différents mandalas à l'intérieur. Voilà, c'est pour les enfants qui puissent colorier. Il y en a 72 à l'intérieur. Donc ça, c'est une nouveauté chez Action. Donc je crois que c'est les promos en ce moment. Un petit sac à dos couleur rose. C'est un rose corail, donc avec une petite pochette ici et le sac à dos qu'on peut ouvrir à l'intérieur. Et il est assez solide, on peut mettre le nom derrière. Et en fait, je l'ai pris pour un petit dernier quand on fait des petites promenades, des choses comme ça. Donc
à chaque fois que tout mettre dans mon sac et puis que bah, il est très très lourd. Et bien comme ça, chacun aura son petit sac. J'en ai pas pris un pour ma grande parce qu'elle en avait déjà un, donc ça sert à rien d'en avoir 36. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci avec des petits cœurs noirs, donc c'est super mignon. Par contre, pour moi, le mien que j'avais acheté chez Stokomani, ben en fait, la fermeture a craqué, j'arrive, ça part, hein, voilà. Donc j'ai trouvé celui-ci chez Action, il est beaucoup plus grand que celui de la petite, hein. Voilà, avec une pochette avant et puis la grande fermeture. Les sangles sont vraiment matelassées, donc ça c'est bien. Le dos, pareil, il est matelassé, donc ça évitera d'avoir mal au dos. Donc quand on sort, voilà, ça sera mon sac à dos. En ce moment, c'est sorti, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, donc ce sont des petites couvertures de pique-nique. Donc moi j'ai pris la noire et blanche. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est imperméable en dessous. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais à la forêt avec les enfants, je prends souvent une couverture, un plaid, et qu'on met par terre. Mais après, quand on repart, eh bien, il y a souvent plein d'herbes, plein de feuilles ou de bouts de bois qui est accroché à la couverture. On a beau secouer, et il y en a toujours qui restent accrochés. Donc, c'est très embêtant. Donc, au final, ce qui est bien en plus, c'est pratique. Il y a une poignée, on peut le replier, le ranger, et voilà. Et ce qui est bien sur celui-là, donc il est imperméable en dessous, donc beaucoup plus facile à nettoyer, à transporter. Et voilà, il y aura beaucoup moins de saleté dans la voiture et sur les plaids. J'ai trouvé ceci, c'est en ce moment aussi, ce sont des nouveautés, si je mets à l'envers, voilà. C'est, comment dire, c'est aimanté, il y a un petit stylo marqueur dessus. En fait, c'est un magnétique whiteboard, donc on peut écrire... écrire avec le stylo et effacer, ça il n'y a pas de souci. Et également il y a des petites lettres alphabet pour pouvoir créer des mots. Donc j'ai acheté ça pour la petite dernière pour qu'elle puisse justement former des mots et puis essayer à écrire, d'écrire dessus. Elle n'avait pas d'ardoise justement avec des stylos, donc c'était l'occasion de trouver on va dire quelque chose de ludique tout en lui apprenant et puis en faisant des petites activités avec ça. Et c'est une sorte de faire. Donc c'est bien, c'est que ça ne cassera pas. Donc j'ai acheté ceci aussi. Voilà, c'est une jarre avec un petit robinet. Voilà, moi c'est pour mettre des cocktails de fruits. Après on peut mettre au frais et puis vous pouvez lever voilà, le petit robinet et vous mettez votre verre en dessous et vous pouvez vous servir votre boisson fraîche. Donc il y avait différents coloris, c'était toujours en vert, mais là et tout ce qui est en fer en fait était différent. Il y avait soit couleur argent comme j'ai pris, ou alors couleur or ou couleur noir. Nous avons le deuxième œuf de filles, deux œufs. Ensuite, hein. J'ai acheté des mi-cadeaux pour les filles. C'est à peu près le même tarif qu'il y a chez Auchan quand je fais mes courses. Donc, elles étaient là et je sais qu'elles adorent. Donc, je leur ai pris pour faire le 4 heures. J'ai pris ceci, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes. Et je me suis dit, pour faire mon avis, rien de mieux que de l'acheter pour goûter. Donc il y avait différentes saveurs aussi, donc moi j'ai pris celui avec le goût noisette. Donc en fait c'est comme vous savez les cigarettes, comment on dit, le biscuit cigarette là. Et là à l'intérieur apparemment il y aurait une petite pâte de noisette. Donc on verra si c'est bon. J'ai dit aux filles si elles voulaient, on pouvait acheter des petits biscuits apéro. Donc elles ont choisi ceci, voilà, ce sont des frites, celles-ci sont juste nature et salée. Et elles ont pris... des petits biscuits apéro au goût fromage. Et pareil, je vous dirai si c'est bon ou pas. J'ai acheté ceci pour les filles, elles adorent le chocolat chaud. Donc voilà, moi j'en bois pas. Et en fait, vous mettez votre lait et ensuite vous mettez votre petite sucette de chocolat à l'intérieur. Ça vous fait un petit chocolat chaud. Donc je leur ai dit pourquoi pas essayer ceci, voir si c'est bon. Bien sûr, quand je vais chez Action, j'y vais aussi pour ceci. Donc ce sont des petites tablettes de chocolat d'Inde. Voilà, j'adore, donc j'en ai pris mon stock, j'en ai pris 5. J'ai racheté pour mes WC, donc voilà, un petit truc comme ça qu'on met dans l'intérieur des toilettes, et puis quand on tient la chasse d'eau, ça sent bon et ça nettoie les toilettes. J'ai trouvé ceci, donc c'était pour ma grande, c'est que vous savez, je sais pas si vous avez connu, moi à même pas qu'on avait les Tetris, donc c'était un petit peu plus grand, et là c'est en miniature, donc c'est super original, je trouvais ça trop mignon, et puis c'était pas trop cher, donc je me suis dit, allez... Elle va essayer, elle ne connaissait pas, donc c'est l'occasion de lui faire connaître un petit peu ce que moi, dans mon enfance, avec quoi je jouais. Donc deux enfants, je prends par deux. Hop, j'ai acheté ceci, ce sont des loupes, c'était pas très cher. Et je sais que souvent les enfants,
quand on va dehors en bas de la maison, eh bien adore inspecter les petites bêtes, des choses comme ça. Donc j'ai vu ces loupes et je me suis dit bah ça n'a rien de mieux que de voir un petit peu plus gros ce que les petites fourmis, leur maison, les animaux, les fleurs, enfin voilà, ça peut être super utile. Donc je trouvais ça utile. Le deuxième Mikado, hein, deux filles, donc deux paquets de gâteaux. J'ai acheté ceci, c'est un cadre avec un cadre couleur argentée. C'est pour noter mon planning des repas. J'ai vu ça sur une chaîne, je crois que c'est Lovely Lou. Je vous le mettrai en barre d'infos comment sa chaîne. Et elle écrivait là-dessus, en fait, elle a imprimé une feuille A4. Et elle le mettait directement après en dessous à la place de la photo. Et elle garde le vert dessus. Et en prenant un stylo effaceur, et bien en fait vous écrivez à l'intérieur vos menus de la semaine, le midi et puis le soir. Et comme ça vous pouvez l'accrocher au mur et vous avez directement votre planning repas sous les yeux, que de chercher encore le carnet, qu'est-ce qui était noté, etc. Donc je trouvais l'idée assez sympa. Donc j'ai pris en 21 par 29,7. J'ai acheté ceci, c'est une serviette pour les cheveux. En fait, à chaque fois que je sors de la douche, bah, je me sèche les cheveux. Et je me dis, bah, pour éviter que ça sèche longtemps, eh bien, j'y serai avec cette serviette. On verra si ça accroche bien, il faudra que je trouve la technique surtout. Et puis même pour les filles, ça peut être sympa. Pour les épices, bah, tenez, voilà, mon mari en a trouvé deux. Celui-ci, c'est pour le poulet. Donc on a pris pour les viandes rouges tout à l'heure, celui-ci. Et ça, c'est pour les viandes blanches, donc tout ce qui est poulet, escalope, etc. Donc pareil, il y en a 100 grammes aussi. Donc deux filles, deux boules de bain. Ça, c'est la grande qui a choisi la bleue et couleur arc-en-ciel aussi. J'ai trouvé ceci. Ce sont il y a différentes feuilles de couleur à l'intérieur. 16 par 16, et c'est pour leur apprendre à faire des origamis. Voilà, donc il y a aussi des petits modèles qui sont déjà expliqués ici. Donc je me suis dit, pour faire une petite activité, ça peut être sympa. J'ai racheté bien sûr des feutres parce que ça part à une vitesse à chaque fois. Donc là j'en ai racheté, donc il y en a 12 à l'intérieur. J'ai trouvé ceci, c'est un sac de plage, voilà, avec lance en corde. Donc ici c'est un effet, paille, on va dire comme ça. Et couleur noire et zébré, il y avait différents modèles. Et à l'intérieur, il est très très profond. Oui, il y a une petite poche aussi avec une fermeture sur le côté pour mettre le téléphone, l'argent. Et il se resserre, voilà, avec une petite corde ici. Donc moi, c'est pour aller à la plage avec les filles, pour mettre les serviettes, les maillots de bain et tout et tout. Donc je le trouvais super mignon et pas trop cher, donc voilà, je l'ai pris. Et pour terminer, la dernière fois je vous avais présenté des housses qui sont là. Voilà, ces housses de coussins. Et il s'avère que j'avais acheté deux coussins en fait pour mettre à l'intérieur. Et pour vraiment qu'ils soient bien bombés, en fait, il faut en mettre deux, parce que si on en met qu'un, bah, c'est pas assez gros, je trouve. Ça fait pas très joli. Et moi, j'aime bien que c'est bien fourni à l'intérieur. Donc, il m'en fallait encore deux. Donc, voilà, je les ai rachetés en 45 par 45. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao !